J'ai décidé de tester l'intelligence de Marius. Eh ben, ça commence bien. Le test consiste à faire un test. C'est en 7 étapes. La première étape, c'est pas vraiment une étape puisqu'il faut juste avoir un chrono. Donc, on va s'équiper de l'iPhone pour faire le chrono. La deuxième épreuve, c'est de mémoire, c'est de jeter la serviette sur la tête de Marius et voir combien de temps il va mettre à s'en sortir le pauvre. En fonction du nombre de secondes qu'il met, il y a un système de points. Je crois que je vais regarder. 30 secondes au moins, c'est 3 points. Donc, ça veut dire qu'il est super intelligent. 31 à 120 secondes, c'est 2 points. Donc, ça veut dire qu'il est intelligent. Etc, etc, etc. La troisième épreuve, c'est qu'il faut cacher une croquette sous la serviette et voir s'il la trouve. Ensuite, il faut mettre en place un espèce de barrage, enfin, où il y a une petite ouverture sous le sol et mettre la croquette sous le truc qu'on voit là et voir si Marius va chercher la croquette en dessous. Et donc c'est pareil, même système, plus il va vite et plus il a 2 points et plus il est intelligent. Il y a le coup du gobelet aussi, on va mettre 3 gobelets à 30 cm à peu près de gare là, et on va mettre une croquette sous un des gobelets. On va montrer à Marius où est la croquette et ensuite on va sortir pendant 30 secondes, on va revenir et on va voir si Marius trouve la croquette. Si Marius trouve la croquette, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment intelligent. On va arrêter le test à ce niveau-là, je pense, et on verra déjà à peu près si Marius est intelligent, même si j'en doute pas une seule seconde. On passe au test. Alors le chrono. Je mets le chrono, hein, on ne bouge pas, alarme, horloge, chronomètre. Chronomètre. Je voudrais bien la serviette, s'il vous plaît. Oups là. Et Marius, oups là, chrono. What the fuck? T'as vu, il a fait en 2 secondes. Il me faut une croquette, s'il vous plaît. Assistant, j'ai un assistant, oui. Marius, regarde la croquette. Croquette. Serviette, croquette, serviette, vous voyez comme il veut. Regarde là-bas, il veut la croquette. Regarde, hop, serviette. Chrono. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas moi. Marius, elle est là, s'il te plaît. Elle est sous la serviette. Elle est là, regarde. Elle est là. Et il l'a trouvé. Non, je n'ai pas triché. Et moins de 30 secondes. Voilà. Troisième test. Donc, je me suis équipée par avance, hein, pour faire cette magnifique construction pour Marius. Je reviens. Voilà. Croquette. Oh, Marius, vas-y la croquette. La croquette, elle est là. Vas-y. Ok. Marius, croquette. Bien, elle est là. Elle est là. Elle est là. Marius, elle est là. Elle est là. Regarde ma main. Je sais même plus où elle est. Il l'a trouvé. Je vous jure qu'il l'a trouvé. La petite croquette. C'est bien, Marius. Voilà. Le dernier test consiste à avoir 3 gobelets. Bon, le plastique, c'est mal, je sais, c'est pas fait exprès. Je les avais eu à Solidays, c'est un souvenir. Voilà. On va lui mettre. Marius, la croquette, je la mets là. Marius, elle est là. Elle est plus là. C'est cruel. On va partir 30 secondes. Allez, viens, Marius. Marius, 30 secondes, viens. Viens, mon chien, viens. Va chercher la croquette. Elle est où la croquette? Marius, elle est où la croquette? Elle est où? Marius? Marius, s'il te plaît, la croquette. Ouais, il a trouvé. J'ai pas triché. Tiens,
Bravo! Non, Marie, elle est là. Je passe incognito. Marius et moi, nous devons passer incognito. Car Marius est le chien le plus intelligent de France. Suite au test que j'ai fait, vous avez pu constater que Marius a tout explosé. Donc 3 points partout, 3 points partout, 3 points partout. On peut dire qu'il est super, super intelligent. Marius s'en va incognito. Salut, pays amour. Encore une fois, j'ai voulu...